Et on est de retour et je peux pas avancer. QWERTY. On est de retour pour plus de Atomic Heart. Alors, on a un petit soin et on a 10 gros. C'est très bien. Donc on avait changé notre fusil à pompe. Maintenant il est anti-créature. Parce qu'apparemment il y en aurait beaucoup. Tiens, on va le mettre. Ouais. Non, on va peut-être pas l'installer maintenant. Là, il y a du feu aussi dedans. Ok, c'est parti. C'est parti. Donc on avait combattu la dernière fois, on avait fini sur un super combat. C'était vraiment sympa. Attends, il y a des trucs là. Ouais, c'était vraiment sympa. Il y avait beaucoup de créatures et tout. C'était pas très difficile, mais c'était fun. C'est incroyable, professeur. Vos calculs sont tellement logiques et élégants. Votre travail sur l'adaptation mimétique des polymères est une fabuleuse contribution à la science. Merci du fond du cœur, mais c'était un travail d'équipe. Pardon, qui êtes-vous ? Ivan Bikov, assistant de labo au complexe Pavlov. Je travaille aux archives, mais je rêve de rejoindre votre équipe. Je suis fan de votre travail. Votre passion fait plaisir à voir. Même si, franchement, elle n'était pas presque inquiétante. Les polymères sont un nouveau domaine au potentiel incroyable, mais la seule passion ne suffit pas pour progresser dans la recherche. Revenez me voir dans un mois, et nous en rediscutons. Ah, pardon. Ça coupe. Ouais, tout est sûr. Bon. En attendant, excusez-moi. La science m'appelle. Un mois ? Mais je n'ai pas un mois. Vous entendrez parler de moi, professeur. Je vous le promets. Il y a 4 points à trouver. Ce qui des traces de sang. Ça. Non. On va descendre. Je sais qu'on doit aller à un point bien précis, mais... Je voudrais bien trouver le... La solution. Après, bon, s'ils sont sympas... ça va être à côté d'un corps qui parle. Un peu en évidence, quand même. Mais bon, on sait jamais... Pourquoi il y aurait des traces de mains, des empreintes comme ça? Bon après si on trouve pas... Ah, j'arrive pas à parler. Si on trouve pas, on avance. On va avancer. Ce sera peut-être après. Mais ouais, on fera un peu de fusil à pompe, on va voir un peu les dégâts que ça fait après. Quand on aura vidé ça. Ah là là, encore. Ok, presque ça, sauf que c'est à l'envers.
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bleu, rouge, jaune. Presque. Voilà. Oh, il était... Hein ? Prise de tête, celui-là. Parti. Il y en avait qu'un seul. On avance, on avance. On va tous se les faire. Là, il y a la musique, on y va. Ok, on est bon, on est bon. Faut que je la recherche, cette musique, elle est sympa. Dites-moi, camarade Major, en vous basant sur votre propre expérience, pensez-vous que nos robots civils en mode combat seraient capables de mener à bien le projet Cœur de l'Atome? Bien sûr, sans problème. S'il y avait un tas de robots dans les bases militaires, QG et sites de lancement, et que personne s'attendait à ce qu'ils attaquent, ils pourraient prendre l'armée américaine par surprise, comme ils l'ont fait avec les soldats d'ici. Quel dommage. Le monde sort tout juste d'une guerre, et il va déjà y en avoir une autre. Bah, c'est pas si terrible que ça quand on y pense. Que voulez-vous dire, Major ? Si le camarade Setchenov et le Politburo veulent prendre le contrôle des USA et du monde entier, ils laisseront le peuple tranquille. Mais les civils aussi meurent lors des opérations de combat. Vous le savez fort bien. Si les robots sont programmés pour ne pas tuer les civils, ils ne les attaqueront pas. Vous êtes un robot, Charles. Vous devriez le savoir. Je suis un robot, moi? Vous n'avez pas tort, j'imagine. Un gant robotisé. Quoi? Les gants en neuropolymère ne reçoivent pas leurs ordres de collective? Tout dépend du modèle de gant. Certains si, bien sûr. Et d'autres n'obéissent qu'à leur porteur. Mais je m'égare. Les robots civils recevront de collective l'ordre de passer en mode combat. Et quiconque détermine les priorités du programme pourra leur ordonner de tuer n'importe qui, même des civils. Mais qui pourrait vouloir tuer les civils? C'est juste des ouvriers, des fermiers, des scientifiques, des... Merde, c'est pour ça qu'ils veulent les bagues. Que voulez-vous dire? Quand on porte un cortex, on peut l'enlever et se déconnecter de collective. Mais un robot, lui, il peut pas vrai? Ça veut dire que votre propre robot peut vous attaquer s'il en reçoit l'ordre. C'est pour ça qu'ils veulent les bagues, pour que les robots n'écoutent qu'eux. En effet. Alors, que choisissez-vous, Major ? C'est compliqué tout ça. Ouais, je vais voir si on avait. On va mettre les gros soins. J'ai trop de choses. Mon Dieu, toutes les munitions qu'on a. Enfin, désassembler, ça sert à rien, parce que je crois que j'ai même plus besoin de tout ça, en fait. Ce qu'on pourrait faire, c'est à la limite, c'est créer les armes. Je crois. Parce qu'à un moment, vu qu'on récupère tout le temps nos ressources... Ah, tiens, ça. Vu qu'on récupère tout le temps les ressources qu'on utilise si jamais on change... Donc en théorie, on n'est jamais à court de ressources, en fait. Et à un moment, on va être plein... Genre, on pourra faire toutes les options de toutes les armes, de tout ce qu'on a. C'est sympa.
Par contre, il faudrait bien augmenter ça, parce qu'on doit en avoir moins 300 encore. Ou 667 aussi. Alors là, on a tout. Bouclier, il est pas au max. Ah, une. Ouais, le bouclier plus long. Oh, ça, on peut régénérer. J'ai même pas vu. M'étonnerait qu'on y arrive. Ah, si. On a le bouclier au max. On a le bouclier et le personnage au max. Projection de polymère. Augmente la viscosité du polymère du coma afin de ralentir les robots, les cibles de manière significative. Les ennemis aériens perdent leur capacité de vol. Ouh, ça c'est pas mal. Ça c'est quoi? Afin de ralentir les cibles encore. On prend celui-là et on va prendre le deuxième. Comme ça il se recharge plus vite. Puis on peut prendre ça aussi. Ok, très bon. Très bien. C'est bien parce que si on oublie cette partie-là, du coup on va récupérer toute la branche. Donc ça c'est pas mal. Ah, mais c'était pas une salle de sauvegarde, ça aussi. Sauvegarde en cours. Ah, ah, ah. Attends, toi tu me dis. Là, il y a une paire de FPS par contre. Un endroit. C'est des gros. Je crois qu'on a bien fait de changer le fusil à pompe. En feu et anti-créature. Et on peut l'arrêter le bouclier aussi, hein. Je sais pas si je l'avais dit. On appuie sur la touche, ça l'enlève, donc c'est nickel. Oh merde. Attends, je vais me faire le gros là. Vous allez faire ça, Charles? Oh, le bouclier reste longtemps. On va peut-être garder une douille de côté et au cas où si on doit combattre encore une grosse créature. Là. Ouais, celle du fusil à pompe, on peut la laisser. Mais...
Quand on aura fini avec ça, je dirais qu'on ira au site pour le chargeur de la Bertha. Parce que ça, c'est quelque chose que je veux récupérer. J'ai dû activer quelque chose, je sais pas exactement quoi. C'est aimanté. Okay. Wow. D'accord, bah je comprends ce qu'on a. Ok. Bah ouais, c'est là. Ah, par contre, là, on s'éloigne vraiment du... de la serrure avec les points, là. Donc j'ai... Je pense qu'on pourra pas y retourner. Ah, c'est marrant, ils ont... Au début, je me suis dit, tiens, c'est des genre des culottes et tout ça, mal faites. Mais en fait, non, c'est surtout pour cacher les parties sensibles, on va dire. Ah, bonjour, messieurs. Ah, putain, j'avais pas vu que... Tu vas vite te calmer. Là, ça prendra. Ah, il est bien notre bouclier, hein, il recharge. Hein. Recharge notre vie. Ah ouais, il recharge notre vie, c'est vachement bien. Oh, on aurait dû prendre... On aurait dû prendre cette amélioration il y a bien longtemps. Vache. Puis ça recharge bien. Hein. Ça soigne bien. Hein. Ouais, évidemment. En plus, on peut le voir, donc ça... Où est-ce que tu vas si je t'attaque pas? Ouais, non. Oh, il y en a plein! Oh, on va s'amuser. On avait dit qu'il y avait le Raigun qu'on voulait tester, donc ouais. Maintenant, tous ces trucs-là, on va pouvoir commencer à le faire. On a vraiment les armes qu'on voulait.
quoi ça? Ça y est, on a la clé. Clé magnétique. Ouais, okay. Dégueulasse tout ça. Il y a bien une créature qui va nous sauter à la gueule. Ça c'est fermé. Attends, est-ce qu'il n'y a pas des conduits? Parce que ça aussi, il faut faire attention. Des fois, il y a des conduits. On avance. Bip, 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 bip. Y'a rien à côté de lui. Écoutez, je viens déposer une plainte, vous m'entendez? À quel propos? À propos du comportement écœurant de Stockhausen. J'étais blessé, mais j'aurais pu être sauvé. Je saignais, et je l'ai supplié de m'aider. Mais ce pourri est passé devant moi sans s'arrêter. Il a même demandé à une de ses ballerines robots de m'écraser la gorge pour me faire taire une bonne fois pour toutes. C'est comme ça que je suis mort. Ah, Stockhausen est un vrai connard, pas vrai? Exactement. Je n'aurais pas dit mieux. Je vous demande de le faire savoir à tout le monde. Parlez-en à vos supérieurs. C'est une honte. Je ne demande pas ça pour moi. Je sais que c'est trop tard. Mais il faut défendre la réputation du site. C'est l'assistant de l'administrateur en chef, quand même. On peut s'en occuper. Ça marche. Merci, merci. On y va. Ah. Sauvegarde en cours. Ah oui, attends, par contre. Ok. On l'a en raccourci, donc ça va. Ouais, je pense que c'est mort pour le code, là. On a dû le louper. Pas grave. On entre dans le labo avec notre... Après, ouais, il y a... Toutes les armes ont des attaques spéciales, genre la hache s'est tournée. Après on avait vu le truc avec les scies là, la batte avec les scies. On peut balancer les scies et ça les fait tournoyer. Donc faudra tout prendre pour voir un peu. Et maintenant vous êtes mort, professeur. Qu'avez-vous fait? Ah c'est je encore voulais du corps. Apprendre à votre contact. Mais je n'ai eu droit qu'à votre mépris. J'avais besoin de vous pour renforcer mon estime de moi. Et maintenant... Il me reste des balles pour me faire un nom dans le monde scientifique. Et j'ai volé la boîte à musique sur votre bureau. Pour être sûr de ne pas oublier, je l'ai caché dans un coffre. Celui avec le mot de passe positif, pas le négatif. Fichu mémoire, c'est quand même pas si compliqué. Le chien, le chien. C'est lui qui a le bon. Dans le coffre-fort, boîte à musique, le chien positif. Ok, on garde ça en tête. Oh putain! Ouais, il me fait peur ce con! Ouais, par contre.
est dans la merde parce qu'il est pas seul. J'imagine qu'il peut pas manger. Oh si si si, il peut. Ouais, merci musique, ça me... Ok, cool. Je préférais l'autre musique. J'ai un peu fini, mais mon époque... Après, la musique est pas mal. Je préfère les chants. Maintenant, plus vieux. Ah, encore heureux qu'on a notre super bouclier maintenant qui remet de la vie et tout. Honnête. Oh. Salut, ça va? Ok, on va en... Ah, on a plus... Ok. Ça marche. Oh, c'était pas mal. On l'a, mais alors défoncé le machin. On l'a défoncé. Ah, du coup, tu peux plus voler, toi? Ah non, 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 on n'a pas pris cette mise à jour. Mais par contre, t'es beaucoup plus lent. Nickel. Puis le... bûcheron. Le bûcheron. Le chercher. Ok, nickel. Il en reste encore ou pas? C'est parfait. Ouais, on lui a fait super mal quand même. Avec là, je veux pas dire, mais... Bah, putain, Michoui. C'est quoi cet endroit, Charles? Une morgue? En effet, les corps des défunts sont conservés ici pour être étudiés. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est pas possible, il y a des Maccabées partout. D'où ils viennent? Il y en a des dizaines et la plupart sont si jeunes. Ce sont les corps des volontaires qui sont décédés lors d'expériences dangereuses. Merde alors. Je veux dire, je sais bien qu'il y a des expériences qu'on peut pas faire sur les souris ou les porcs, mais qu'il leur faille autant de cobayes humains, c'est... C'est du délire. Hélas, la science ne fonctionne pas toujours du premier coup, et il arrive que des volontaires décèdent. Ce sous-sol a pour but que leur mort ne soit pas vaine. Leurs corps sont étudiés afin que cela ne se reproduise pas. Sans déconner. Et ça leur viendrait pas à l'idée d'expérimenter sur des condamnés à mort, plutôt? Et encore. Toutes les expériences ne peuvent pas s'effectuer sur la lie de la société.
Certains projets secrets requièrent des volontaires solides sur le plan psychologique. Et parfois, les expériences... Gardez distance! Et même sacrément mal. Croyez-moi, camarade Major, ce que vous voyez là est bien loin d'être le pire. Parfois, la mort de quelques volontaires peut permettre de sauver des millions de gens. Comment connaissez-vous que le vaccin contre la peste brune a été mis en place? On continue. Il faut que ça cesse. Et maintenant... Par contre, faudrait tuer le bourgeon. Je l'aime bien, ce fusil à pompe, il est cool. Ouf. Sérieux ? Pourtant, on a envoyé des boules là. Ah ben les biomatériaux, on va plus en avoir besoin là, ça c'est sûr, hein. Je crois que à tout jamais. Hein. Ah là là... C'était super simple parce que je suis super bon. Par contre, faut faire gaffe à nos cartouches de fusil à pompe, je sais pas si on en a assez. On en a des milliards, hein, des fusils à pompe. Hein. Enfin, presque. Mais c'est juste que l'inventaire est plein à chaque fois. Pour éviter... Alors, que choisissez-vous, Major ? Pour éviter d'avoir tout et n'importe quoi dedans. Fais voir. Ouais, on a toujours 3 stacks. Nickel. On va virer un stack. On va mettre ça. Nickel. Bon, bon. On a ça aussi pour combattre les boss. Une cartouche de feu, ce serait... Bah ouais, ça serait bien. Nickel. On a que les gros soins. C'est pas un problème. J'ai envie de finir le recul. Ah, ça, le quatrième, c'est ça. C'est chiant, c'est rare. Réduire le recul, honnêtement, c'est pas vraiment intéressant. C'est le mieux, c'est ça. Ça sera là, on augmentera le bonus d'énergie. On augmentera les dégâts, vitesse de visée, cadence de tir, précision et tir auto. Ouais, au polygone 11. Donc ça, ça sera bien. Du recul. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on voulait remettre ça. Voilà, fusil à pompe au max. Ça aussi c'est au max. Nous on va garder le fusil à pompe là. Ah, vu qu'on a plein de ressources... Raigen. Ouais, bien sûr, il nous faut les trucs super rares. Voilà, le prochain, bon, on va économiser. Le prochain, on prend, c'est le Raigen pour voir un peu ce que c'est. Après, les armes de mêlée, honnêtement, aux F. On s'en fout un peu, même si on peut les faire facilement. Genre ça, je sais pas si on en a vraiment besoin. Nous, le Raigen, c'est les supraconducteurs.
Et les composants microélectroniques. Donc, ok, c'est ça. Donc, celui-là, non. On peut faire le faucon. Et quoi la différence entre faucon et toi ? Un vrai con. Putain. Pas assez de ressort. Quoi ? Bah, bien sûr que si. Ah ! Accès autorisé. L'image elle reste trop longtemps. Ressources suffisantes. Ah mais on peut le recréer. Ah oui, bah oui, celui il était gratuit. Donc lui on peut le crafter et le laisser. C'est juste qu'on a enlevé toutes ces améliorations normalement. Alors, hop. Ouais, il est à zéro. Ressources insuffisantes, ça marche. Ouais, il nous faut ça absolument. Le Raygun, c'est la dernière arme qui est intéressante. Alors, fais voir un peu. Ah, ça nous fait chier. Attends, on va enlever les soins. Comme ça, je sais que c'est juste des soins à remettre. Voilà. Ça. Ça. Et je vais juste voir ça si c'est vraiment. À zéro. Oui, c'est bon, c'est tout à zéro. Alors, le flocon. Alors, déjà, on peut peut-être les utiliser, les armes. Sauvegarde en cours. Comme ça. Crossberta, flocon. Je sais pas si on l'avait déjà utilisé, le flocon. J'ai pas autre chose. Et voilà. Terrine. Ouais, c'est rapide. Et après, on s'en fout, on a tout le reste. J'avais oublié de recharger Bertha. Autorisation, Major. Ok, très bien. Attends, 5. 6. D'accord, donc on a vu. Donc ça, c'est... Ouais. Ok, maintenant, on regarde les améliorations. Bon, ça, en tout cas, c'est vraiment... à zéro, c'est bien. Non, le flocon. Alors, augmente les dégâts, dégâts chargés... C'est en attaque spéciale. Bonus des germes augmente lorsque. Ouais, on s'en fout. Augmente le bonus d'énergie, on s'en fout. Donc, ça, c'est l'attaque écrasante. Tu as un ennemi, redonne une charge. Ah, une attaque spéciale. Donne avantage d'énergie par coup. Quand on escoute tout, je peux mettre KO. Protection temporaire. Hein, c'est intéressant. Hein. Alors, coup de bélier, ajoute une attaque spéciale. La santé à chaque coup, consommation d'énergie, attaque spéciale. On pourrait mettre ça. J'espère qu'on va pas avoir besoin. Alors, fais voir. Fais les tests. Ah! Ça consomme de l'énergie en plus, ça tue. Wow, comme il va vite en plus. Ah! Ah! Autorisation. Ça peut être drôle, j'aime bien l'attaque spéciale. Redonne de la santé à chaque coup. Mais bon, après, si on utilise ça, à la limite, on n'utilise plus le truc électrique, hein, parce que bon.
facile, si, mais bon. C'est... Bon, c'est intéressant. Vitesse d'attaque spéciale. Et après la cartouche. Okay. Bon, c'est marrant. C'est marrant. Maintenant, ça. Donc, on a vu le coup clivant. Bon, c'est bof. Donc, ça, c'est. Alors, générateur de champ magnétique. Un dispositif spécial permet de projeter la lame comme un projectile tranchant. Il lui imprime une rotation circulaire destructrice à l'aide d'un champ magnétique conservé. Cette rotation est celle de l'énergie. Je vais voir un peu. Ah putain, c'est des trucs rares. Chier. Pas grave. C'est pas grave. Bah waouh quoi. C'est pas waouh. Bon, j'ai un peu réduit ma... Ouais. C'est pas grave. C'est une partie métallique qu'il me faut. Je veux faire des tests, je veux tester un peu les armes et tout. Sans déconner. Le PM, on pourrait le faire aussi. Mais bon. Bon, bah, on arrête de s'amuser, c'est bon. Hein, ça va. On testera après quand on aura plus de ressources. Parce que là, je vais pas commencer à détruire toutes mes munitions et tout. Bon, bah ça, c'est sympa. L'attaque est sympa, l'autre, bof. L'autre, c'est très bof. Pour être franc. Remettre les choses dans l'ordre. Non, ça, c'était pas ça, c'était ça. Après, fusil à pompe. Et calache et tout ça. Hop. Yes. Mais bon. Sauvegarde en cours. Ah, je suis pas très très content d'avoir utilisé des ressources, mais bon. Fallait bien qu'on regarde un peu aussi ce que ça faisait. Hein. De toute façon, ah, au pire, on peut les vendre, les armes, et tout récupérer. Ah, donc là, on est de retour ici, ça marche. Ah, ok. Oh, vache. Vraiment bien. Oh là là.
sans déconner, quoi. C'est bon ? Non ? Vraiment résistant avec notre bouclier. Ah bah niveau munitions, elles sont parties là. Ah voilà, ça c'est ce que je cherchais. Merci. Après, en théorie, on pourrait farmer, non ? Le truc. Mais sans déconner, ils sont à l'infini. J'ai l'impression qu'ils sont à l'infini. Bon, ça en est bien sorti. Par contre, je crois que j'ai enlevé... Ouais, j'ai perdu un stack. J'ai perdu beaucoup de stacks de... J'ai un peu bourriné comme un idiot, honnêtement. Avec le kalash, j'avoue. Avec le kalash. On peut les couper. Ah, je voulais faire Raiden. Devrais retourner récupérer des munitions. Après bon, je voulais pas tirer au fusil à pompe parce que comme on l'a changé. Ah mais non mais je peux pas revenir. Comme on a changé le fusil à pompe, je me suis dit bon il va pas faire vraiment beaucoup de dégâts comparé à au Kalachnikov, donc bon. N'importe quoi. Cette Chenov est un type bien. Comment il a pu laisser faire un truc pareil? Une armée de robots, des mutants tueurs, des victimes par milliers. Et c'est la faute du site. Même sans Petrov, il y a tout qui merde ici. Alors si on rajoute collective... Sérieux, il est temps que je parte à la retraite. Voir que je me marie. Votre activité cérébrale négative génère des artefacts déplaisants dans votre corps. Je vous ai dit de rester en dehors de ma tête, Charles. Au boulot, trouvez-moi un itinéraire. Charles, reste en dehors de notre tête. En plus,
plus on dit des conneries, genre se marier, n'importe quoi. Je crois que j'ai un truc qui répare là. Wow, non, c'est pas les trucs qui réparent ça. Oh non. Non. Il y a trop de puzzle. J'ai un truc sur les fesses. Dépêche. Là, je suis quasiment vide. Pour toi, camarade. Mais ne dites pas n'importe quoi. Vous ne voyez pas que je me fiche de mon sang? Je suis docteur. Trouvez-moi une trousse de premier secours et je saurai me débrouiller. Alors. Ah, depuis combien de temps vous saignez? Depuis quelque temps, je dirais. Une heure, peut-être? Qu'est-ce que vous comptez faire? Restez là et me regardez mourir? Qu'est-ce que je te dis? Au secours! J'ai de mauvaise foi. Mais ne dites pas parce que je suis bien sûr. C'est un bail, deuxième personne peut rien pour vous. Essayez de comparer le temps qui s'est écoulé à ce que vous ressentez. Essayez de comparer le temps qui s'est écoulé avec ce que vous ressentez. Vous êtes tout bim, non? Qu'est-ce que vous en concluez? C'est vrai? J'ai vraiment morte? Foutu vaccin, je le savais! Et j'ai été enregistré sur le réseau neuronal sous forme d'écho résiduel. Si vous avez tout compris, pourquoi réagir aussi vivement? Vous êtes sans cœur. Wow. C'est vrai que... Des fois, hein... On n'a pas le temps pour le cœur. Ça sert à rien de... d'être gentil. Aliona, tu viens déjeuner aujourd'hui? Il y aura de la salade Leningrad et de l'esturgeon. Oh, ils sont lâchés aujourd'hui. On va se régaler. D'accord, Semyon, j'ai juste une petite chose à finir. J'ai encore de la découpe aujourd'hui. 5 carcasses de plus. 2 cochons, 1 mouton et 2 personnes âgées. Un homme et une femme. Wow. Le vieux, ça devrait être rapide. Mais vas-y, je te rejoins d'ici une quarantaine de minutes. D'accord. Je vais aller là, il y a des... Ça a l'air d'être fun. Wow, calme-toi. Il y en a un qui s'est vénère à... Il m'a vu par la fenêtre. Oh mon dieu, combien on en a fait ici? Ah merde, je change... Ouais, c'est pas grave. Voilà.
Ah, depuis qu'on a mis le bouclier, honnêtement, on s'est pas encore soigné. Je crois. On va rendre, il faut absolument des munitions de Kalash. Si on repart sur du robot... Après, on peut se débrouiller sans... Non, mais vous avez vu la taille de ce bazar. C'est quoi? Les expériences réalisées en ce lieu visent à créer des endosquelettes en neuropolymères pour animaux, afin de leur permettre d'endurer les conditions hostiles des planètes extérieures du système solaire. Des endosquelettes? Ce truc va pas nous attaquer, si? Il est énorme. Les spécimens qu'il y a ici n'ont pas de structure cérébrale en neuropolymères. Pour le moment, ce ne sont que des corps en polymère incapables de bouger. N'empêche qu'ils sont monstrueux. Ça, c'est pour les planètes à basse gravité? Ou pour les planètes à gravité élevée, cela dépend. Les recherches prennent en compte tous les scénarios possibles. Dans une cuve, vous trouverez même des essais de création d'organismes capables de survivre sur Jupiter. C'est une vache. Eh ben... Ok. Ah, là. Ah, c'est... Autorisation, Major. C'est sympa tout ça. Alors, hop, hop, hop. Donc, on repasse à 6, 2, 2, soin, 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 soin. Munition. Hop là. Que notre chargeur est. Non. Ok. Accès autorisé. Ça et ça. Nickel. On a 2 et 2 en cartouche. Personne a des cartouches pour moi. Enfin, on les a pas mises. Ça marche. On avance. Tiens, on est ralenti ici. Ah, c'est bon. Ah, c'est pour ça. On arrive avec notre tête. Oula. Vous le sentez l'embrouille là venir ou pas? Jamais je ne me serais attendu à voir Victor comme ça, et dans de pareilles circonstances. On s'entendait comme larron en foire, vous savez. Malheureusement, Victor a fait beaucoup trop de mauvais choix. Regardez-le maintenant. Mais grâce au génie du docteur Sechenov, ses connaissances ne seront pas perdues pour tout le monde. Ah, c'est la femme de... C'est sa femme. Enfin, sa copine à lui. Ex-copine. Une fois que nous aurons terminé la procédure d'assimilation, nous serons en mesure de réinitialiser les robots. Il est déjà mort, salaud ! Je vous interdis de le toucher ! Grenade ! Ah ouais, elle va pas de main morte, elle ! Oh non. Oh non, le liquide bizarre, il est sorti. Oh oh. Oh oh. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, ça va être un moment de flashback encore. Ah, oh, mes yeux. Ah.
place de la connexion. Il paraît que vous n'avez pas dormi depuis plusieurs jours. Pas envie. Des somnifères, une bouteille de vodka. Pourquoi pas les deux, hein? Vous savez bien que je déteste ça. L'esprit est une forteresse. Vous savez, quand j'étais petit, mon frère avait peur de moi. Alors ma mère laissait y arriver. Et moi, je détestais ça. Ça interférait avec mon imagination. Quoi? Je haïssais aussi les livres pour enfants, tous ces dessins à couleurs joyeuses. Ils n'étaient pas réels. Exactement. Les livres de mon père étaient plus intéressants. Histoire, médecine, physique, théorique. La science ne cherche pas à rendre le monde plus sûr. Elle ne nous ment pas. Elle se contente de nous donner les faits. Alors, j'ai très vite trouvé ma voie. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai appris que les monstres avaient un comportement prévisible et pouvaient être étudiés. Oh, c'est dégueulasse. Ça a changé. Tout à fait. D'autant que la lumière nous transforme tous en monstres. Comprenez-vous? Plus ou moins. Puis-je éteindre la lumière? Ouais. Reconstruction de l'illumination. Il y a le machin qui vole là. Wow. Ok, on est de retour là. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être gore ou pas? Ça, c'est pas... Oh! Qu'est-ce que c'est? Polymère? Oh mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Bordel! On peut voler? Bloqué. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah là. Ah putain oui, j'ai encore le... Encore déguisé en chat. Faire du parcours. Ah mais je reconnais cet immeuble. Viens. Ah, non. Viens me retrouver. Je suis tombé. Je peux m'accrocher ou pas? Oui. Thank you.
machin qui va passer. Où est-ce qu'on va ? Vas-y, what the fuck ? Bon, faut toujours monter, je pense. Ok. Ah ben je voudrais bien. Hein. Très bien parce que là, comme trip, c'est pas le fun. Hein. Comment tu veux que... Comment... je vois pas. Ah, putain, pousse pas quoi. Attends. On y est. Oh là, pas ce compliqué. Eh ben, c'est un bordel sans nom ton esprit. Bordel de merde! Qu'est-ce que... Exactement. Charles! Où est Larissa? Elle s'est cachée avant l'explosion. Merde, Stockhausen. L'explosion l'a fait tomber dans une cuve de polymère, et cela lui a coûté la vie. Mais quel hypocrite! Je suis médecin! Tu parles d'un médecin qui s'amuse à balancer des grenades! Petrov et Filatova sont vraiment faits du même bois. Aucun doute à ce sujet. Peu importe. En tout cas, faut qu'on trouve une sortie. Ce qui est marrant, c'est que... Genre quelqu'un l'a mis dedans. Ou alors le polymère lui-même l'a pris et l'a mis dedans. Parce que le polymère, il est vivant. Le polymère rouge, là. Très étrange. Il va pas être content, notre boss. Major, vous êtes vivant ? Non, je me suis fait tuer par une grenade. Je suis désolé. Je ne voulais rien de tout ça. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Alors qu'est-ce qu'il y a de l'importance, espèce d'enfoiré ? Il faut qu'on se rencontre. Vous devez voir ça de vos propres yeux. Je vous montrerai tout. Comment ça, tout ? Vous faites une confiance aveugle à cette Chenov, mais il vous garde dans l'ignorance. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous devez le voir de vos propres yeux, ou vous ne me croirez pas. Ça, c'est clair. Je comprends que dalle à ce qui se passe. Vous comprendrez quand vous verrez. Je peux le prouver. Je vous attends à l'Académie des Conséquences. On y accède par le phare. Ne faites confiance à personne. Pas de risque. Ah bah oui, là on en est au point où on fait plus confiance à personne. Ah j'aime pas cet ascenseur, ce petit ascenseur est tout blanc. Il fait mal aux yeux. Ah, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Major, ouais. Oui. Il faut absolument détruire les connecteurs bêta, j'insiste. Vous insistez, Charles. Pourquoi ils vous mettent dans cet état ? Vous disiez que vous prendriez votre décision concernant les bagues le moment venu. Eh bien, nous y sommes. J'ai pas le temps pour ça. Alors trouvez-en vite, camarade Major, ou il sera trop tard. Arrêtez de me faire chier, Charles. Il y a des cadavres partout. Une toubib dingue des grenades a buté Stockhausen, et un mur de robots nous barre la sortie. Franchement, on s... Attends. Je veux écouter ce qu'il dit en fait, désolé. Je pensais pas que ça... C'est intéressant ça avec Charles. J'ai l'impression qu'on est potentiellement vers la fin. Enfin on y arrive honnêtement, on y arrive parce que ça devient de plus en plus compliqué l'histoire. Okay. On a des munitions. Ouais. Il faut absolument détruire les connecteurs bêta, j'insiste. Vous insistez, Charles. Pourquoi ils vous mettent dans cet état ? Vous disiez que vous prendriez votre décision concernant les bagues le moment venu.
Eh bien, nous y sommes. J'ai pas le temps pour ça. Alors trouvez-en vite, camarade Major, ou il sera trop tard. Arrêtez de me faire chier, Charles. Il y a des cadavres partout. Une toubib dingue des grenades a buté Stockhausen. Et un mur de robots nous barre la sortie. Franchement, on s'en fout de ces putains de bacs de merde. Cessez de les appeler ainsi, Major. Et apprenez à réfléchir avant de parler et pas après. Ce sont des connecteurs bêta qui permettront à deux robots assassins d'échapper au contrôle de tous, sauf de leur maître assoiffé de sang. Vous voulez vraiment avoir d'autres morts sur la conscience? De quel maître assoiffé de sang vous voulez parler? C'est moi qui les bague. Je risque pas de les mettre à des robots. Et combien de temps resteront-elles en votre possession, Major? Aussi longtemps que je vivrai et qu'il restera du temps. Le temps, il n'y en a plus, justement. La procédure d'assimilation de la tête de Petrov a débuté. Sechenov va ramener les robots à leur état normal. Et ensuite, il vous prendra les bagues. Hein? Pourquoi? Tout ce que vous possédez est enregistré dans mon journal, et je ne peux pas l'effacer. Seul Sechenov y a accès, et il le consultera dès votre retour. Il veut les connecteurs bêta. Mais tout le monde les veut, ma parole. Pourquoi? Est-ce que tout le monde veut avoir des robots assassins à sa botte? Réfléchissez, Major. Qui vous a interrogé au sujet des connecteurs bêta? Sechenov et ses jumelles métalliques? Stockhausen, son bras droit? La vieille Zina, agent double dont l'affiliation demeure inconnue à ce jour? À moins que vous ne comptiez exaucer le dernier vœu d'un mourant et remettre les connecteurs à Filatova. C'est quoi ce bordel? Je suis le seul à pas être devenu barge. Comme vous le voyez, nous sommes la seule option. Quelle que soit la personne qui met la main sur les connecteurs bêta, cela se traduira par un bain de sang, un véritable carnage. Les bagues doivent être détruites au plus vite. Il n'est pas trop tard, Charles. Pas encore. Bah, l'autre, il veut les récupérer pour ses jumelles, j'imagine. Du genre comme ça, y a que à lui qu'elles obéiront. Enfin, déjà, elles le font, mais... Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est le pont débile qui a tué cette baleine? Oh, la Rosam est la dernière nouveauté en biomécanique. Pour faire simple, c'est une pompe hydraulique. C'est ce que je viens de dire, non? T'es faible contre quoi? T'es vulnérable à rien du tout. Putain, tu lui résistes à tout en plus, c'est vrai quoi. Wow. Merde. Je crois qu'elle est vénère. What? Oh. Il les a fait fusionner avec je sais pas quoi. Là, on dirait le film avec les robots là, les robots géants. Ah putain. Viens voir papa. Comment ça s'appelle? Pacific Rim. Genre le 2, il y a des mutations avec les kaiju et les robots. Et il arrive à tirer de derrière quand même. Hein. Fort. Où est ce putain de bout?
bouton. Il y a un bouton. Pas de bouton. Prie ton dieu en fer blanc. T'as la tête à l'envers ou quoi? Ah oui. Tiens, ça prendra. C'est quoi ça? J'ai l'impression que je fais plus de dégâts, il faut faire un truc spécial. C'est ça qu'on répare en Russie. Ça tue. Neuro, supra, chimie, partie métallique. Okay. C'est bien. Ah, le fait de consommer de l'énergie aussi, de soigner. Enfin, c'est abusé ce qu'on fait. On est super résistant. Ah, j'avais beaucoup aimé ça dans Pacific Rim 2. Oh, ce truc était vraiment dangereux. J'étais pas sûr de m'en sortir. Et il existe des robots bien plus puissants. Les modèles de combat sont beaucoup plus dangereux. Y a pas de robots de combat ici. Pas encore, non. Mais dès le lancement de Collective, il y en aura partout. Et deux d'entre eux seront équipés de connecteurs bêta. Vous avez idée du carnage qui nous attend à cause de l'ambition d'un seul homme? Ah, vous me rendez dingue avec vos bagues. Vous voulez bien arrêter d'essayer de me manipuler? C'est fait. Alors, heureux? C'était la bonne décision, camarade Major. Nul doute qu'elle a sauvé des vies, et peut-être plus qu'on ne l'imagine. Espérons-le. Moi, je les aurais gardés, hein. Je peux pas y retourner. Je veux les bagues. C'était une connerie. Si on mettait les bagues aux jumelles, du coup elles nous écouteraient. Alors genre on aurait deux très bonne robot et qui pourrait nous défendre, ça serait trop bien. Bon, où est-ce qu'on est maintenant? On est arrivé ou pas? Ouh la vache! Aïe aïe aïe! Elle peut nous aider, l'autre? Merde! Pourquoi ils sont figés? Le code d'accès a été extrait avec succès de la mémoire neuropolymérique de Petrov. Le mode combat a été désactivé et tous les robots ont retrouvé leur état normal. Bien joué, mon garçon. Tous ceux qui ont réussi à se cacher vous doivent la vie. Je suis fier de vous. Merci, monsieur. Et maintenant? Revenez à Tchelomé. Nous vérifierons que vous allez bien et vous pourrez prendre un repos bien mérité. Je m'occupe du reste. Bien compris.
J'arrive. Vous n'avez pas parlé de Filatova, cette Chenov. Avez-vous toujours l'intention d'aller la voir? Oui. Je vois ses preuves, elle dit que c'est important. Cela ne plaira pas au docteur Sechenov, vous savez. Alors ne lui dites rien. Ouais, mais bon, vu qu'il enregistre tout ce qu'on fait, et qu'il veut pas enlever la... Enfin, il peut rien faire, quoi, il peut pas effacer. Hein? Donc, dans un sens, il va le savoir, quand même. Il faudrait peut-être monter, non? Oui, c'est ce que je fais, là. Un phare. Et où est-ce qu'on est censé le chercher? Larissa! Putain de méchouille. Je sais qu'elle est dans le coin. Je ne détecte personne dans les environs. Regardons dans le coin. Elle doit pas être loin. Vous croyez le docteur Filatova? Je crois plus personne. Mais elle a un truc important à me dire. Et le docteur Sechenov me cache quelque chose. Le docteur Sechenov vous a-t-il déjà parlé de ses plans? Pas vraiment. Je veux dire, il n'avait jamais eu besoin de le faire. Mais il y a eu Petrov. Puis le gélaton a tué Stockhausen et le patron n'a pas réagi. Le gélaton. Le lancement de collectif est-il si important qu'il soit impossible de le repousser par respect pour les morts? Je n'ai pas de données à ce sujet, camarade major. Ah ouais, vraiment? Bah j'en ai pas moi non plus. Alors allons en chercher. Bon, elle est où la dame? Ils m'ont dit que mon phare allait être arraché de Sakhaline pour que des robots la portent au Kazakhstan. J'ai cru qu'ils étaient bourrés. Mais non. Me voilà à des milliers de kilomètres de l'océan. Mon phare est devenu une pièce de musée. Et moi aussi, en quelque sorte. Ah d'accord, j'ai été augmenté, et j'ai plus rien à faire. Les machines s'occupent de tout. Le phare et moi, on est la preuve que les humains peuvent tout faire quand ils s'en donnent les moyens. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de me demander qu'est-ce qu'ils peuvent bien garder avec tous ces canons volants. Ok. Bon. D'abord, on va monter. C'est joli ici. C'est joli, hein? Classe. Oui, la musique elle coupait quand je rentrais chanter. Oh là. Ok, tu t'accroches un peu trop, hein. Quand même, on dirait Spider-Man, quoi. Oh, coffre. On a plein de plans qu'on a déjà débloqués. Je crois que ça, c'est les Kalachnikov. Le Kalachnikov, le fusil à pompe, l'électro. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, qui sont. On est obligé de les avoir. Pour l'histoire. Du coup, ils sont dans des coffres aléatoires, je crois. Qu'est-ce qu'on a là? Une chaise et une télé. Je m'attendais pas à ça. Et à quoi vous attendiez-vous? Cette salle doit avoir une fonction spécifique. Là, encore ça. Ah! Encore un truc secret. Oh, putain de méchoui! C'est quoi ce bordel? Ah, mon dieu. Je pense que cette accélération imprévue a été causée par le piratage du système d'accès de l'ascenseur. Autrement, le docteur Filatova n'aurait pas pu la déclencher. Alors elle a piraté le système. T'en es sous l'eau. Ces pauvres bougres se sont fait tailler en pièces. Alors c'est Neptune, hein? Sympa. Génial même, à vrai dire. Ça me dérangerait pas de passer un peu de temps là-bas. Mais j'ose même pas imaginer ce qui s'y passe en ce moment. Le camarade Sechenov vous a demandé de rentrer à Tchelomé. Comment expliquer ce retard? On verra bien.
Allons d'abord causer à la doc. Mais si elle essaie encore de se tirer, elle va le regretter. J'en ai ma claque de jouer au chat et à la souris. Je suis pas très fan d'être sous l'eau. Mais bon. Mon dieu, c'est quoi ça? Ah, c'est un sous-marin. C'est un des sous-marins qu'on avait vu. Il est ultra rapide, apparemment. Ah, bah elle est là. Bon, on va te casser les rotules, comme ça tu vas pas courir, déjà. Qu'est-ce qu'on fout là? Vous voulez quoi? Écoutez-moi, P3. Ce sera à vous de décider, mais laissez-moi vous offrir une autre perspective. Savez-vous ce que Sechenov cherche à faire avec Collective? Comment elle compte s'en servir? Après le lancement de Collective, les gens pourront contrôler les robots mentalement. Et ils ne pourront plus se poignarder dans le dos. Franchement, l'idée me plaît. Je pensais la même chose autrefois. Mais la réalité est différente. Collective ne sert pas qu'à diriger les robots. Sechenov pourra contrôler quiconque fait partie de Collective. Oh. Nechayev, ce programme est diabolique. Je suis surpris. C'est bien pire que l'esclavage. Connerie, la chaîne de commandement a pas changé, elle est juste passée en réseau. C'est quoi le problème? Venez et voyez par vous-même. J'ai quelques questions. On est où là? Ceci est l'Académie des conséquences. La mémoire, le centre d'analyse et les archives principales du site. C'est ici que les activités de tous les autres complexes sont étudiées, dans le but de générer des matrices de probabilité. Venez-en au fait. L'Académie comprend divers services très intéressants, comme par exemple ce qu'on appelle Radio Avenir. En combinant mathématiquement les ondes courtes et les échos quantiques, nous avons la capacité de prédire la musique que les gens écouteront dans 50 ou même 80 ans. Mais il y a aussi un autre département spécial, appelé Service de psychologie comportementale des sujets polymérisés. Les cobayes sont censés être tous volontaires, mais... Comment vous êtes entré? Pourquoi les colibris ne vous ont pas tué? Je travaille ici. Enfin, j'y travaillais. Seul Sechenov peut révoquer mon accès. Et il se trouve qu'il est très pris. Et comme je ne suis pas une menace... Venez-en au fait. Et ça suffit, les grenades et toutes ces conneries. À la moindre entourloupe, je vous bute. Dernier avertissement. Bon, d'accord. Allez, vous ne le regretterez pas. Ok, je vous suis. Ah, ça suffit, les grenades et les conneries, là-haut. Par là. Bon, bah, après moi, apparemment. Oh non, pourquoi tu passes en premier? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous êtes prêts? Désactivation de la polarisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, plein de gens. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une maison hantée? C'est les tombes de l'esprit. Ce sont les volontaires à la base du réseau collectif. Les sujets des premiers groupes sont tous morts. Ceux du groupe 30 sont devenus fous, le groupe 73 s'est suicidé, et ceux du groupe 101 se sont entretués. Ceux du groupe 204 ont eu plus de chance. Eux, ils ont tous survécu. Leur conscience erre dans un monde irréel, qu'on appelle les limbes. Tandis que leur corps est ici, sous mon contrôle total. Qu'est-ce que vous voulez que je leur fasse faire? Pourquoi? Pour vous prouver que je ne mens pas. Moi, d'accord, j'ai des idées, mais... Alignez-les. Moi, j'ai des idées, mais YouTube, il va pas aimer. Et ensuite? Ce gros-là, faites-le sauter, il en a besoin. Juste lui? Pourquoi je les ferais pas tous sauter? Après tout, nous vivons dans une société communiste! Toi, là, saute! Faut pas qu'elle s'énerve comme ça. C'est un truc de malade. Mais pourquoi vous avez inventé un truc pareil? Putain. Les pauvres gens. Non, c'est là que vous vous trompez. Chimiquement parlant, ils sont tous parfaitement heureux. C'est la raison d'être du réseau collectif. Ça sera exactement comme ça, dans le monde entier. Pourquoi Sechenov voudrait changer les gens en ramassis de débiles? Il veut ridiculiser le monde en faisant courir les gens à poil et en les faisant aboyer? Non. On a réussi à empêcher toute dégradation de la conscience individuelle.
Les souvenirs, les comportements et les schémas de langage ont été préservés. En revanche, ce qu'on n'a pas réussi à éviter, c'est la perte totale de leur libre arbitre. Donc en gros, ils sont tous heureux, mais eux, ils contrôlent... Mais il faut stopper ça. Enfin, nous, on contrôle les corps, quoi. C'est exactement ce que Victor voulait faire. Vous l'en avez empêché. Maintenant, c'est trop tard. Votre copain était dingue et a buté des tas de gens. Il a voulu me faire croire que Sechenov avait lui-même programmé les robots pour tuer. Pourquoi le patron aurait fait ça? Pourquoi? Pourquoi a-t-il conçu un système de contrôle de la pensée? Pourquoi ce besoin de neurocontrôleurs spéciaux? Parce que Sechenov veut soumettre le monde entier. Désolé, mais si vous ne comprenez pas ça, vous êtes un abruti! Ah! Non! Le patron ne ferait jamais ça. Oh si. Et il le fera. Ce lundi. Tout ça, c'est vraiment dur à encaisser. Mais je vous aiderai. Quoi que vous fassiez, je vous suis. Vous êtes prêt à trahir cette Chenov? Après ce que vous venez de me montrer... Ouais... Je veux entendre ce qu'il a à dire. P1, P2, P3. Ton esprit n'est jamais vibrable. Oui, aussi, pourquoi notre nom de code c'est P3? Un homme peut être réparé. Hein? C'était quoi ça? Quoi donc? Rien. Je digère juste ce que j'ai vu. Pourquoi vous m'avez aidé? Parce que ça me préoccupe. En plus, ça ne vous concerne pas. Enfin, pas seulement vous. Si vous bossiez ici, pourquoi vous n'avez pas essayé d'empêcher ça? Je pensais que c'était une bonne chose, que toute l'Union soviétique pourrait en profiter. Mais quand j'ai compris ce qui se passait vraiment, j'ai décidé qu'il valait mieux attendre le bon moment. Victor et moi avons pris tous les risques et... Vous connaissez la suite. Bon, continuons. Le coma, il n'arrive pas à sortir des limbes. Injection des neurones. Ah! Hé, Major. Ça va. J'ai d'affreuses migraines ces temps-ci. Mais j'ai comme des visions. C'est vraiment un putain de boulot, croyez-moi. Ça ne fera pas tard, soldat. Vous ne vous souviendrez de rien. Écoutez, les hallucinations, c'est du sérieux. Je suis neurochirurgienne, je peux probablement vous aider, si tout se passe bien. Non, merci. Un peu de vacances me ferait du bien. Du moins, si tout ça se finit bien. D'accord. Écoutez, pour ce qui est de Victor, je... Quoi? Vous n'avez pas eu le choix? Vous ne pouviez pas agir différemment? Et vous allez me dire que vous êtes désolé? C'est ça? Bien sûr que non. Ça m'aurait étonné. Vous faisiez juste votre travail, c'est ça? Écoutez, désolé, je ne veux pas en parler. Je l'aimais quand il était... différent. Il était gentil, compréhensif. Et il ne tuait pas les gens. Je me sens vraiment pas à l'aise avec ces gens. Ah oui? Attendez de voir la suite. Bientôt, cela s'étendra à la totalité de l'Union soviétique, et ensuite au monde entier. Et là, vous verrez tout le monde perdre son libre arbitre. Vous savez, le libre arbitre, ça garantit pas de pas être un connard. Pourquoi justifiez-vous ces atrocités? Des atrocités? Lesquelles? C'était des volontaires. Ils sont venus de leur plein gré. J'ai rien à voir avec ça. Il y avait un truc qui flottait. Affirmatif, ça suffit. J'ai trop à faire pour discuter. Dans ce cas, profitez du spectacle. Après, hein, si on vous enlève le libre arbitre, mais bon, vous êtes heureux pour toute la vie. Moi, j'en suis au point où... pourquoi pas. Alors... Il y avait la bulle, la bizarre, là, qui s'est déplacée. Je l'ai vue, hein, par la fenêtre. Excuse-moi, je joue l'aspirateur d'abord, après on continue.
Merde. On peut pas dasher rien. Alors, c'est quoi la suite? Résiste, mon amour. Résiste. Oh, merde. J'en ai marre de ces putains d'hallucinations. Est-ce que vous avez des taches de couleur devant les yeux? Et votre perception du monde a-t-elle ça, changé? Ça? Ouais, exactement. Vous savez ce que c'est, ce bordel? Expliquez-moi, vous traversiez les limbes, c'est impossible à interrompre. Comment avez-vous fait ça? Quoi? J'en sais rien. C'est comme si ce gros bloc de polymère m'appelait. Ce ça. Gros bloc en forme de larme. Là, juste au-dessus de nous. Vous le voyez? Il n'y a rien là-bas. C'est quoi ce bordel? Je l'ai devant les yeux. Et merde, il a disparu. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Un effet secondaire de l'opération que vous avez subie. La réaction d'un cerveau endommagé à la présence d'un implant en neuropolymère. Qu'est-ce que vous me racontez? Quel implant? Comment? Setchenov ne vous l'a pas dit? Donc vous n'avez aucune idée de ce qui vous arrive? Charles, ah, enfin. Vous savez ce qui cloche dans ma tête? Je ne décèle aucun changement interne majeur. Mais votre extension polymérique VOSCODE reçoit clairement un flux non identifié de données externes. Quelle est cette interface? À qui est-ce que vous parlez? Un programme, une IA contenue dans mon gant en polymère. Vous bilez pas pour ça. Charles, qu'est-ce que vous racontez? Charles? Attendez, Charles, quelle donnée? Quelle extension polymérique VOSCODE? L'extension polymérique VOSCODE a été mise au point à l'aide de données que Dimitri et moi avons obtenues. Hein? Vous? Et pourquoi appelez-vous le docteur Setchenov Dimitri? Vous êtes qui? Ce n'est pas simple à expliquer, camarade Major. Je suis... Charles! C'est quoi ces parasites? Il se passe quoi là, bordel? Gardez votre calme, Major. Si ce que je pense est vrai, je devrais pouvoir accéder aux archives tout de suite. Et il devrait y avoir des dossiers sur vous. Oh là là... J'aime bien, j'aime bien. J'espère que ça va être bien compliqué, mais... Indiquez vos noms et codes d'accès personnels. Putain de méchoui. Nom incorrect. C'est bon, je le pirate. Passez vite. Nom, Chariton. Ben oui, elle doit connaître. Code accepté. Accès autorisé. Putain de méchoui, code incorrect. Ah. La vache. Cool. Charles, vous êtes là? Rien? Rien. Alors, expliquez-moi, Charles, c'est quoi? Pour résumer en deux mots, votre Charles est le professeur Chariton Sakharov. Ah ouais, ça c'est du résumé. Mais comment c'est possible? Le professeur Sakharov développait tous les sous-systèmes de collective et il travaillait sur le module. Ce même module que vous avez en vous. On nous a dit qu'il s'était livré à plusieurs expériences, mais sur lui-même. Le résultat a été imprévisible et désastreux. Sur lui-même? Il était stupide ou quoi? Lui, stupide? Bien au contraire. Chariton Sakharov était un misanthrope obsédé par la science. Je ne crois pas qu'il se préoccupait beaucoup de ce qui pouvait arriver à son corps. Donc c'est devenu une IA. Quand est-ce que vous avez compris que Charles était Sakharov? Eh bien, à l'instant, quand il n'a plus été en ligne. Je ne pouvais pas savoir que Setchenov avait implanté sa conscience dans votre gant. C'est le fait que vous l'appeliez Charles qui m'a mise sur la voie. Alors Charles n'est plus un être humain. Il n'est plus qu'un objet. Je n'en sais rien, oui, je suppose. Sauf que cet objet a été conçu à partir du paradigme logique et de l'expérience de l'un des plus grands génies de l'URSS. Alors qu'est-ce que Setchenov lui veut? Setchenov ne jette jamais ce qui peut lui servir. C'est plus facile pour lui de modifier ce qui ne lui convient pas. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et le plus drôle, c'est que vous êtes devenu ami avec votre gant. Bah, les trucs qu'on a vécu, ça rapproche. Le fait d'être vivant, ça vous change un homme. Ou un gant. Si on veut. Ça a pas l'air de vous affecter des masses. Pour moi, Chariton Radeonovitch est mort il y a fort longtemps. J'ai déjà fait mon deuil. Et puis, vous savez, je suis scientifique. Nous montrons souvent un certain détachement pour ce qui concerne la mort. C'est vrai. Bon, comment on entre? Il y a très peu de gens qui disposent d'un accès permanent aux archives. Setchenov, Lebedev, le directeur de l'académie, et Sakharov,
comme vous venez de me le rappeler. Vraiment. Et on aurait fait quoi si le mot de passe n'avait pas marché? Je suis sûre que vous auriez détruit la porte à coups de poing. Mais désormais, l'archiviste pense que je suis le docteur Sakharov. Ce qui va nous permettre de tout savoir sur vous. Allons-y. Okay. Bienvenue, Chariton Sakharov. Quel est le sujet de votre demande? Agent P3, dossier personnel. Résultat de la recherche, 42 enregistrements. Alors, lequel voulez-vous en premier? Je m'en fiche royalement. Eh bien, choisissez au hasard. Je sais pas, n'importe quoi. Tout est très clair pour moi, mais vous, ça vous ferait du bien de l'entendre. Qu'est-ce que je fasse? Porter un enregistrement à Larissa. Ah, tu... Attends, il y a déjà des trucs à fouiller. Mais sérieux, ils ont mis des trucs à fouiller ici, ils auraient pas... Non. Fallait pas le faire, oh mon... Ça casse un peu l'ambiance là quand même. On fait pause aspirateur. Je peux pas sauter par contre. Après, je vais pas ne pas le faire parce que là, il y a quand même énormément de ressources au mètre carré. Hein. Je crois qu'on a. Donc, tu veux un enregistrement, genre là. Assez perdu de temps. Mais je comprends pas ce que tu veux, madame. Tu triches ou quoi? Porte-avion coulé. T'es bête ou quoi? T'as coulé quelque chose dans la vie? Tu veux rien avoir en B10, top big. Conversation archivée. Je vais pas tout lire parce que là on en a pour 7 ans. Ah ok, ça marche. Par contre il y a plein d'ordinateurs même en haut. Essayez ça. Début de la lecture. Les événements qui se sont produits en Bulgarie ont laissé nos agents grièvement blessés. Ils étaient même cliniquement morts. L'agent Blesna n'a pas pu être sauvé. L'état de l'agent plutonium étant moins grave, nous avons réussi à le remettre d'aplomb. Mais ses membres ont dû être amputés et remplacés par des prothèses dernier cri. Ouais, je le sais déjà que j'ai des prothèses partout. C'est pas nouveau. Il s'agit juste d'observations générales. Essayons un autre enregistrement. Tu vas me dire qu'il a des prothèses comme ça? Genre, il a plus d'os? C'est quoi, c'est Big Boss, mais en pire? En voilà une autre. Ok, lisez-moi celle-là. Début de la lecture. Par la suite, la personnalité de l'agent plutonium a été fortement altérée, y compris au niveau de son comportement et de sa façon de parler. J'ai donc pris la décision de le retirer de l'unité Argentum, pour éviter... Au risque de récidivisme mémoriel, il a reçu un nouvel indicatif, P3, et je l'ai pris sous mes ordres directs, afin de pouvoir le garder en observation. Ses contacts avec Argentum ont été réduits au strict minimum, et les membres de l'unité ont reçu l'ordre de ne pas mentionner Blesna en sa présence. Merde. Je vais en chercher une autre. Quoi? Cette Chenov vous tient en laisse. Il peut faire tout ce qu'il veut de vous. Écoutez, il m'a sauvé la vie. Vous croyez que je sais pas que je suis un cobaye? C'est mon job.
Ah, c'est donc ça, vous êtes volontaire. Alors dans ce cas, pourquoi êtes-vous un cobaye aussi désobéissant? Parce qu'avant, on me disait ce qu'on allait me faire. Je vais chercher un autre enregistrement. Pas mal, comme réponse. Et ouais, c'était un cobaye avant, parce que oui, on lui disait ce qu'on allait faire sur lui. Maintenant, on le dit plus. Maintenant, on l'utilise. Lisons donc celle-là. Procédure, implantation du module d'extension cérébrale Voskhod. Ah, c'est objectif, ça. Élimination des impulsions destructrices déclenchées par les souvenirs traumatisants. Patient, Major Sergei Netchaïev. Nom de code, Plutonium. Tentative numéro 3. Ouais, donc P3. Les deux premières opérations ont échoué. Le patient a souffert d'une blessure irréversible au cerveau en Bulgarie. Blessure impossible à guérir. Les dégâts sont si graves qu'il faudra sans doute l'euthanasier. Vous avez entendu? Il dit qu'il voulait vous tuer. Les lobes frontaux sont partiellement détruits, ce qui provoque chez le patient des accès de colère incontrôlables. Ces prothèses en acier le rendent dangereux pour tous ceux à proximité. Tenez, il parle de vos crises, là. À cause de ces crises de folie temporaire, le patient se retrouve plongé dans une réalité psychédélique irréelle qui l'empêche d'accepter les conséquences de son comportement agressif. Je piche que dalle. Vous pouvez traduire? Ça risque de pas vous plaire. C'est ce qui lui est arrivé déjà deux fois. Fortes hallucinations. As-tu revu ta femme, mon garçon? Comment est-ce que vous le savez? Un implant Voskhod va donner au patient des souvenirs artificiels, lui permettant de surmonter son obsession liée au décès de sa femme. Votre femme? Connerie, j'ai jamais été marié. Le module Voskhod permet d'envoyer la conscience de l'agent dans le monde irréel des limbes, via une impulsion directe sur sa glande hypophysaire, le faisant passer en mode combat sur commande. J'ajouterai que je suis fermement opposé à l'utilisation. C'est des conneries. Sérieux, c'est pas possible. J'ai bien peur que si. Cette Chenov peut envoyer votre esprit dans votre petit paradis privé en appuyant sur un bouton. Et mon corps? Et après, il fait ce qu'il veut de son corps. Votre corps tuera qui cette Chenov lui demandera de tuer. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Oh putain de merde. Et les hallucinations, c'est aussi la tambouille de cette Chenov? Non. C'est simplement votre cerveau qui réagit pour se défendre. Ah, pourquoi je devrais croire toutes ces conneries? C'est pour ça qu'il a tué l'autre, le chef, là. Le patron ne me ferait jamais un truc pareil. Ben voyons. Comme il a jamais effacé l'existence de votre femme dans vos souvenirs, comme il a jamais conçu le réseau collectif pour contrôler l'esprit des gens. Pourquoi ça serait cette Chenov qui a fait ça? On sait même pas qui est sur cette chaise. Si vous ne me croyez pas, allez lui demander. Quel est le plan, Major? Il nous attend à Tchelomé. Si on veut arrêter Sechenov, il va falloir le piéger. Donc vous m'y emmenez comme prisonnière? Et ensuite? Ensuite, on improvise. Voilà, vous savez tout, va. Major. Réfléchissez-y pendant que je pirate cet ascenseur pour nous ramener à la surface. Vous écoutez maintenant, connard? Major, je n'ai pas de données sur cet incident. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Pas grave, j'ai l'habitude. Vous avez pas de données, hein? Espèce de sale menteur. Pourquoi on vous appelle Charles? Parce que vous êtes Chariton Sakharov, pourriture. Alors, j'attends vos explications. Il n'y a rien à expliquer, Major. Vous me connaissez aussi peu que je vous connais, vous. D'abord, Sechenov m'a assassiné. Puis il m'a transformé en polymère. Et ensuite, il vous a fait subir un lavage de cerveau avant de vous manipuler. Comment aurais-je pu vous faire confiance à vous comme à lui? Je devais d'abord savoir qui était qui. Ouais, bon. J'aurais fait pareil, j'imagine. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avons-nous vraiment le choix, Sergueï? Nous connaissons la vérité maintenant.
Nous devons atteindre cette chaîne 9, corriger cette injustice et nous venger de ce qu'il nous a fait. Ouais, vous avez raison, Chariton. Il faut que justice soit faite. Vous êtes quelqu'un de bien, camarade Major. Mais aussi le premier exemple fonctionnel d'un lien ordinaire avec le réseau collectif. Et dès lundi, tous ceux qui ont subi la polymérisation deviendront aussi malléables que vous. Merde, on peut pas laisser faire ça. Écoutez, ce putain de gadget, le Cortex, on peut simplement l'enlever, non? Hélas, cela n'aidera personne. Au contraire, les choses ne feront qu'empirer. Comment ça? Parce qu'au final, le Cortex est inutile. Certes, il permet de transmettre le signal d'un individu polymérisé aux robots et autres machines. Mais ce n'est pas lui qui permet de faire partie de collective. Il est possible de doter son Cortex. Mais cela empêche juste celui qui le fait de contacter les machines et de leur donner des ordres. Alors, comment cette Chenov va garder les gens sous contrôle? C'est l'injection de neuropolymères qui permet aux gens d'intégrer collective. Cette substance vient se nicher dans le cerveau pour relier la personne au réseau neuronal. Et l'effet est définitif. Tous ceux qui reçoivent l'injection feront définitivement partie de collective. C'est pour ça que les autres, ils parlaient de vaccins. J'ai vraiment été marié. Comment s'appelait ma femme? Ekaterina. Et vous n'allez pas aimer ce que je m'apprête à vous dire, camarade. Certains docteurs morts. Je connais le refrain, mais je vois pas ce qui pourrait encore me surprendre. Votre femme et vous faisiez partie de l'unité Argentum. Et Katerina, ou Katia, comme vous l'appeliez, était un excellent agent. Oh. Dans sa jeunesse, elle excellait dans la pratique de la danse classique et des arts martiaux. Attendez, sérieux? Vous voulez dire que les jumelles métalliques du boss? Non, c'est juste pas possible. Il ferait jamais une chose pareille. Regardez-moi, camarade Major. Après ma mort, ma conscience a été transplantée dans ce camp. Mais au décès de votre épouse, sa conscience n'a pas pu être sauvée. Alors, cette chaîne 9 a téléchargé une empreinte de ses dents dans le système de ses gardes du corps. Hein? Okay. Mais c'est... Merde! C'est pas possible! C'est bon, Major. Je nous ai trouvé notre billet de sortie. Bon, après, il a pas foutu, genre, sa femme mourante dans les jumelles. C'est juste que... Bah, c'est des ballerines, quoi. Donc, c'est juste un don qu'elle avait, sa femme, de danser dans les robots, quoi, en fait. C'est intéressant. C'est vachement intéressant, en fait. Donc, du coup, c'est la substance polymère qui va lier tous les gens. C'est pour ça qu'à un moment, on a trouvé des cadavres qui parlaient, évidemment, de polymère et tout ça. Et y en a qui disaient, ouais, c'est le vaccin polymère qu'ils nous ont fait, ou je sais pas trop quoi, là. Ils en parlaient de ça. C'est terminé? Ouais. Ok, allons-y. C'est sympa, l'histoire est bien. L'histoire est vraiment bien. Mais par contre, P3, il peut toujours être manipulé, donc bon... C'est pas comme si on allait pouvoir... On va que pas vous pouvoir combattre machin, là. Oh, ah bah voilà. C'est pas vrai, ça recommence. Non, pas maintenant. Pas ici. Ouais, non. Bon bah voilà, bon elle est morte. C'est fini. Ah, il a sûrement coupé en morceaux, là. Il est sûrement tripé. Ah, super. Et du coup, ça, c'est notre cerveau qui essaye de résister, en fait, à ce qui se passe. Ouais, on est au-dessus, en fait. Nous sommes tous des monstres dans le noir, mon garçon. Combien de fois on a voulu parler? Les livres de la bibliothèque de mon père n'étaient que des phrases. J'ai passé toute ma vie à les rassembler, dans juxtaposition aux effets scientifiques existants. Non. Mais une fois l'énigme enfin résolue, j'ai découvert un ouvrage dans lequel je partageais mon savoir avec le reste. Ce livre, c'est la cupidité d'un malice. Les gens n'ont pas eu le temps de se consacrer à la science. À l'autre bout du monde, seul l'argent les intéresse. Et ici, ça veut dire. La science, réduite en lambeaux par les carcasses d'un livre que nul n'a jamais lu. Les systèmes sociaux en place ne permettent à l'humanité d'évoluer. Ils ne valent rien.
débarrassons-nous de l'argent et laissons les robots travailler pour nous. Chassons les inégalités et les mensonges du communisme. Donnons le choix au peuple et partageons tous notre savoir en combinant nos esprits au sein de collectifs. Alors, tous les citoyens de cette grande nation sauront de nouveau ce qu'est la science. Merde. Bon, après, c'est un discours, bon, hein, c'est pas ultra intéressant, mais... Le docteur Sechenov vient de tenir une conférence de presse lors de laquelle il a totalement réfuté les rumeurs d'un dysfonctionnement des robots civils au site 3826. Le complexe fonctionne à nouveau normalement et l'alerte rouge sera bientôt enfin parmi nous. Dis donc, t'as pris drôlement cher, mon gars. Cette fois, t'as bien failli y rester pour de bon. Rester où ? Bah, va savoir. Comment veux-tu que je sache où tu te trouves quand tu te déchaînes comme un fou furieux ? T'étais gentil quand il y avait ma fille encore dans les parages. Mais depuis qu'elle est morte, tu ne fais que ronchonner et t'énerver pour un rien. Ah, mais elle nous connaît. Toutes ces têtes arrachées, c'est... Pff, vraiment abject. Qu'est-ce que votre fille a à voir avec moi ? C'est sa femme ? Ma Katia. Ouais. Notre Katia. Ils se sont bien amusés avec tes souvenirs. Madame, sérieux, de quoi est-ce que vous parlez ? C'était ma fille, mais c'était aussi ta... Et Katerina Nechaeva, nom de code Blesna, escadre Argentum des forces spéciales. Mais alors, vous êtes... Oui, ta belle-mère, espèce de crétin. T'as travaillé pour cette Chenov jusqu'à ce que ces terroristes bulgares vous fassent sauter. Katia ne s'en est pas sortie, et cette Chenov t'a transformé en monstre. Ouais, je crois que ça me dit quelque chose. Pourquoi tu restes assis là si tu le savais déjà ? Je ne fais que te surveiller depuis. Je pensais qu'il y avait peut-être encore un peu d'humanité quelque part en toi. C'est pas vraiment... Désolé, mais vous vous êtes planté. Mon passé, mon présent... Il n'y a plus rien. Attendez, où est Larissa ? Mais elle est partout ! Puisque tu l'as dispersée aux quatre vents. Sérieux ? Vous avez un flingue. J'ai une tête à pas en avoir. Qu'est-ce que tu cherches ? À se faire sauter la tête. C'est juste pour me faire sauter. Ah bah voilà. Quelle bonne idée. Ah. Oui, t'as qu'à te faire péter le caisson. Du calme, fils. Comme ça, cette Chenov pourra changer tout le monde en légumes, en commençant par l'Union soviétique avant le reste c'est bon, du monde. J'ai compris. Si t'as compris, alors debout. Je vais t'en donner des armes et plein même. Mais seulement si tu me promets de buter ce monstre une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as avalé ta langue ? Écoutez donc vos aînés, Major. Les actes de cette Chenov demandent réparation. C'est quoi ce truc, Sergueï ? C'est moi, Zinaïda. Chariton Sakharov. Chariton ! Vieux briscard ! Mais t'es en vie ! Si on veut. Un vilain sorcier m'a changé en gelée de polymère. Attendez un peu. Vous êtes en train de me dire que depuis tout ce temps, vous connaissiez Mamizina ? Garder des petits secrets est parfois très utile. Ça nous a bien servi jusqu'ici. Utile pour qui ? Si vous me dites rien, moi ça me sert à rien. Faire ce genre de truc aux gens, cette Chenov doit avoir perdu la boule. Mais attendez, pour ma Katia, Katenka, elle est peut-être en vie. Peut-être, mais dans quel état ? Regardez-moi, je ne fais pas franchement envie. Mais je n'ai pas de données tangibles la concernant. Je t'en supplie, Sergueï. Cette Chenov doit mourir. Ça va, c'est bon, lâchez-moi. Putain de méchouis. Bordel, c'est vraiment du grand n'importe quoi ici. Ah, j'avoue que là... D'un côté, des pourris manipulateurs qui prétendent jouer les sauveurs, et de l'autre, un membre de l'Académie des sciences soviétiques qui veut éclairer l'humanité et servir de moi pour se débarrasser des connards. Du moins, si on en croit les pourris en question. Ah, on peut choisir, ça tue. Bon... Enfin, bref. Si vous montriez ce qu'il y a dans votre arsenal. Là, tu me fais plaisir, mon gars. Ah, vous pensez qu'il y a deux fins ? Merde. Sauvegarde en cours. Ah, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ah, c'est top, c'est vachement top. L'histoire devient vraiment, vraiment, vraiment fun. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
Ouais, non, j'ai rien à... Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime tous les aspects de l'histoire, en fait, là. Elle devient très profonde, en fait. Elle n'est pas très compliquée, mais elle devient profonde. C'est vraiment cool. Entre le gant, donc c'était le savant et tout, qui a été transformé en gel. Lui, on a fait des expériences sur lui parce qu'il s'est fait. Bah, il était plus ou moins mourant. Sa femme, elle est potentiellement, du coup, dans les jumelles. C'est. Ouais, non, c'est vraiment cool. Vraiment sympa, vraiment sympa. On continuera la prochaine fois, sûrement la fin, je pense. Bah du coup, en fait, on a été un peu... Attendez, on peut aller sur la carte ou pas? Je m'étonnerais. Du coup, je peux strictement rien voir. Je peux pas zoomer, dézoomer. Bah, je peux zoomer, mais le dézoom, il est tout petit. Ouais, je pense qu'on est bloqué niveau histoire, je crois qu'on est bloqué, on peut plus faire les trucs secondaires. Bon après, je vais être franc, tout ce qui est secondaire en fait, c'est ça le problème en fait du jeu, c'est que il vous donne directement toutes les armes qu'on peut avoir dès le début, donc ça c'est un peu une erreur parce que du coup il n'y a pas de surprise. Et de deux, il vous montre toutes les augmentations aussi, où elles sont. Donc au final, vous savez très bien que c'est les augmentations de certaines armes et tout ça. Donc là, nous on a honnêtement tout. Je crois qu'il n'y a que le. Je crois que la Kalachnikov, il lui manque les dégâts pour les créatures. Mais on s'en fout, quoi. Mais voilà. Donc, honnêtement, de faire du secondaire, c'est pas très intéressant. Par contre, ça a un bon côté. C'est que moi, comme j'ai l'habitude, j'aime bien quand les secrets, en fait, ne sont pas vraiment des secrets. C'est plutôt des objectifs. Parce que si c'est des secrets, genre, vous avez 4 mètres carrés, il faut trouver genre une épingle. C'est casse-couille. Moi, je veux pas passer 3 heures à regarder pour trouver une épingle dans 4 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors 300 mètres carrés, peu importe, que ce soit grand ou petit. Mais voilà, ça, c'est chiant, en fait, ce système-là. Mais par contre, en quête secondaire, c'est vachement bien. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, par exemple, God of War. God of War, les nouveaux, là, les 2 derniers, font comme ça, en fait. C'est extrêmement simple de finir le jeu à 100%. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce que vous découvrez, ce sont plus ou moins des quêtes secondaires à chaque fois. Donc c'est très évident. Donc le but de votre jeu, bah, c'est de les faire en fait. C'est d'accomplir la tâche. C'est pas de les trouver, c'est d'accomplir les tâches. Et là c'est pareil. Là c'est pareil. Donc ça c'est le bon côté du fait que tout soit sur la carte, genre disponible. Ils vous disent tout, n'importe quel comment ça s'appelle? Site. Voilà les sites avec les chiffres là. Donc chaque site, vous savez ce qu'il y a à faire. Donc ça c'est bien. Ça c'est le bon côté de tout savoir. Après bon les sites c'est plus ou moins tous les mêmes. Il y en a quelques-uns qu'on a fait qui étaient un peu intéressants avec des créatures et tout, des fois, de temps en temps. Bon, après, les aimants, c'est pas top. Mais voilà, j'aurais bien voulu que ça soit un peu plus différent. Mais par contre, j'aurais bien voulu que le jeu nous le dise, qu'on allait être bloqué, parce que là, en théorie, on est à la fin du jeu. Et on va pas pouvoir retourner, du coup, sur la carte. Ou alors, peut-être qu'il y a un New Game Plus, où genre, il vous renvoie juste avant la fin, vous voyez, un peu comme à la Death Stranding. Genre du coup ça serait à la fin et vous pouvez enfin avant la fin et du coup vous pouvez compléter ce que vous n'avez pas complété ou alors comme j'ai dit un NG plus mais bon le New Game Plus ce qui est chiant c'est qu'il faut passer au moins 1 ou 2 heures dans le complexe du début donc avant de ressortir à l'extérieur donc ça c'est une horreur moi je vais pas le refaire pour faire ça donc voilà mais le jeu aurait dû nous prévenir parce qu'il y a plein de jeux en fait qui nous préviennent. Genre, je crois que même God of War le fait et tout ça. Il y a plein de jeux qui disent attention, vous ne pouvez pas revenir, ou alors ils le font plus dans l'ambiance du jeu. Genre, vous apprêtez à commencer une guerre, c'est fort possible que vous ne pouviez plus revenir et tout ça. Des choses comme ça, voilà. Mais ouais, c'est juste le mauvais côté de ça, de pas pouvoir revenir. En tout cas, on va s'arrêter là, on verra ça la prochaine fois. Et ouais, honnêtement, le jeu est cool. Le jeu est cool. À la prochaine, ciao!